Nous sommes ici présents. Nous sommes ici présents pour apporter des éclaircissements aux presse parlée, écrite, télévisée en ligne sur l'incarcération gratuite de Shelson Sanon, de mon client à la prison civile de la Croix des Bouquets, sous la complicité de soi-disant défenseurs de droits humains, nommément connus Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles. Pour affaiblir certaines personnalités politiques, détruire toutes leurs chances de servir le pays, ces politiques sans parti connus se sont servis du jeune Shelson Sanon comme bouc émissaire pour accuser le sénateur Lambert de trafiquant et de dealer de drogue. Ils ont pour perpétrer ce forfait logé mon client à l'hôtel La Belle Lune situé à Pétionville pour un montant de $40 américains par jour, l'interdisant de prendre contact à quiconque. D'ailleurs, c'est dans l'enceinte de RNDDH, transformé en tribunal, que mon client a été entendu par l'ex-ministre et l'ex-commissaire du gouvernement d'alors, Luqman Delisle. Quelle est cette parodie de justice? D'où vient-elle? Pourquoi les gens de la classe moyenne sont toujours ciblés alors que la justice est pour tous? Dans un pays où les lois se taisent devant les hommes, où pour vivre certaines professionnelles comme moi se sont transformées en marchands de justice, va-t-on responsabiliser l'exécutif? Les affaires, véritable théâtre, mariant l'abus avec l'injustice. Devant vous, mesdames, messieurs, les journalistes, je vais étaler les faits prouvant l'innocence de mon client, Shelson Sanon, écoué en prison depuis déjà 8 ans. Pour les pires de la loi, en opposition avec tout ce qui se passe dans le pays. Pour ces motifs, ça c'est l'ordonnance du juge d'instructeur. Pour ces motifs, adoptant en partie le réquisitoire du ministère public, disons qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le sieur Joseph Lambert pour des faits de menace de mort au préjudice des sieurs Levaillant Lujeune et Soël Hyacinthe, tous deux parlementaires en fonction. Ce pour absence d'indices est suffisant, les renvoyant en conséquence hors des liens de l'inculpation. Disons également qu'il n'y a pas lieu d'inculper les nommés Joël André Kaoli et Jackie Kaoli et le sénateur Edwin Zeni pour absence d'indices. Mais disons au contraire que le nommé Shelson Sanon sera retenu des lieux de l'inculpation et renvoyé par devant la juridiction répressive pour être jugé pour association de malfaiteurs et dénonciation calomnieuse. Deux au terme des articles 234 et 318 du Code pénal. Ordonner qu'il soit pris de corps et déposé à la maison d'arrêt de la capitale s'il n'y était pas encore. Ordonnons et outre que toutes les pièces de la procédure ainsi que la présente ordonnance soient transmises au commissaire du gouvernement de ce ressort pour par lui et être en fait ce que de droit. Ainsi jugé par nous, l'amable Isère, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en notre chambre d'instruction criminelle, sise au palais de justice de cette ville, assisté greffier Frédéric Géléon, ce jour du 20 mars 2014, ministère public, les tribunaux civils, de tenir la main à tout commandant et autre officier de la force publique et préfère et la main forte quand ils seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente ordonnance est signifiée du juge et du greffier sudit, ainsi signé l'amable Isère et Frédéric Géléon. Résumons qui présente qui fait le matin là, qui ça nous en gros, ça nous dit là, avec la presse là. Ça qui était appelé nous, c'est un ensemble d'organisations
soi-disant qui défend droit moun en Haïti et puis c'est eux qui corrompent justice là. Chelson Sanon recevoir un appel de Pierre Espérance, responsable RNDDH. Quelle période, période? Période 2013. Qui mandait pour le rencontrer et M. Mandel a quitté. Pierre Espérance dit, mon cher, chance qu'on gagne, ou pas moi encore, parce que moi, je vais t'en parler avec. Le sage, Chelson Sanon, il a 24 ans d'âge. Maintenant, il a 32 ans de prison. M. rejoint Pierre Espérance. Pierre Espérance, chita avec en d'un bureau, il dit que il a besoin, j'en ai dit tout à l'heure, pour le servir de pont, pour acculer le sénateur Lambert pour éviter que le parle dans l'élection qu'a fait. Monsieur Prince Chelson, qui par contre n'a rien dans la question de justice en Haïti. Il manipule. Il prend Chelson, il l'héberge dans l'hôtel Jean-Michel Dia et Pétionville. Et d'autant plus, il mandé ancien commissaire gouvernement à l'époque, Luc Mandelil, vient tendre Chelson Sanon en dans RNDDH. Pourtant que si Chelson Sanon a un problème ou tu as une plainte pour le déposer, je pense que directement c'est lui qui t'a fait le devoir aller à la justice à porter plainte contre le sénateur là. Et bien voilà que Mounio c'est ça qu'il a besoin de faire. Malgré Sanon en dans prison, leur estime que d'ailleurs ce que Mounio fait, il bat l'avocat. Il y a l'avocat, le dossier n'a pas jamais marché. Le monsieur vient comprendre qu'il n'est pas sorti de prison, il cherche à contacter l'avocat. Le premier avocat que le prend avant moi même, le avocat allait, il dit Chelson Sanon, il fait sacré l'appel. Mais ordonnance, appel là tout s'allier. En droit, l'appel est suspensif. Le arrêté, si mon cabinet d'instruction, quand je m'estime instruction mal faite, eh bien, je fais recours en appel. Chelson Sanon n'a pas jamais fait appel. C'est pendant que j'aurai l'aile pour sacrer l'interrogatoire translatif, moi personnellement, je parlais avec le greffier qui est responsable de la justice Port-au-Prince. Il dit oui, l'aile de Chelson. Chelson dit que l'interjeté appel. C'est ça qui fait, il n'y a pas de temps d'aile pour sacrer l'interrogatoire translatif qui fait que Chelson n'est pas en juge. Qui s'en a demandé là, je dis là? Qui s'en a demandé, vous voulez dire là, citoyen, hein? Pas connaître l'affaire, il a dit, il dit. Joseph Lambert, dans le droit, etc. Mais qui s'en a demandé? C'est ça qui fait mli pour nous, tu as le passé motif là. En dans conclusion, juge d'instruction, mais qui ça le dit? Il y a eu deux chefs d'accusation contre Chelson Sanon. Association des malfaiteurs a pour moi est tombée automatique parce que c'est l'unique Chelson Sanon qui a été écoué. Il y a une déclaration calomnieuse, code pénal là, puni si monsieur est jugé coupable. Il t'a supposé faire 2 ans en prison. Maintenant, je dis à quelqu'un 8 ans en prison. Comment ça arrive? C'est-à-dire, si monsieur t'a jugé coupable pour déclaration calomnieuse là, il t'a supposé faire 2 ans en prison. Maintenant, il y a 8 ans en prison sans le juger. Et chaque monde qu'on croise au parler de dossier, ça, il y a peur. Moi-même, je dis à la conférence de presse, ça, nous baille, c'est pour nous dire qui ça. N'est-ce pas le premier pays à cet coup, il y a parlé de pays à craser. Ce n'est pas politique à craser pays. Tout en bagon justice qu'il faut. Et m'a dit pour tout pays attendez et le monde entier. On est exempt pour pas jamais en faire personne mon ici. Sous 3000 dollars, ou 4000 dollars, pour descendre dans paquet, on est bon mandat même pas jamais faire. Nous pas une société comme ça. De qui ça m'a parlé mon dans pays là. Mais toute institution qui a pris les précisions fortes, tout en bagon justice qui est qui t'a dans pays là, institution pas jamais prendre vraiment. Nous demandons pour le juger, conformément avec la loi, nous-mêmes pour nous accompagner comme avocat, et puis pour monsieur retrouver la libération. Pour le rentrer la CAILI normalement. Parce que monsieur a 8 ans en prison, ce n'est pas juger le juger, il y a une détention sacrée préventive prolongée.